J'ai toujours peur de ce qui va sortir, tu sais. Oh, je veux savoir à qui t'as envoyé ça. Hein. Ça me dégoûte de voir ça, tu vois. Mais c'est à qui ça? C'est toi? Mais c'est affolant. Mais t'es ravagé en fait. Et bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais être rejoint bien sûr après par Camille LV, par Guizzy, par Anoxy, par Théa. Avant ça, évidemment, je vous explique le concept. Déjà, où est-ce qu'on est? Faut savoir, c'est un cadre un peu spécial. Là, on se trouve en Grèce. Donc voilà, on est parti en fait en vacances tous les 5 pour faire plein de vidéos, plein de contenu, etc. Regardez-moi ça comme c'est beau ici, c'est la Grèce quoi, tout simplement. Ça vaut peut-être pas Savas, mais c'est quand même pas mal. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Oh là là, la cascade en direct, attention. Aujourd'hui, en fait, on va faire l'épisode 2 d'une vidéo qui vous avait beaucoup plu, que j'avais faite il y a plusieurs mois avec Maison Grise. Ça s'appelait Devine à qui appartiennent ces photos dossiers. Et en fait, je me suis dit vas-y, ça pourrait être trop bien de faire une suite avec cette équipe là. Alors en gros, on va jouer avec une appli qui s'appelle Photo Roulette et qui est une appli très drôle. Le principe de l'appli en fait, c'est que ça sélectionne plusieurs photos au hasard parmi toutes les photos qu'il y a sur les téléphones des participants. Et en fait, l'appli sélectionne une photo au hasard parmi toutes les photos choisies des participants et ça l'affiche devant tous les joueurs. Et le but, c'est de deviner à qui cette photo appartient. Comme c'est choisi totalement au hasard, bah évidemment, ça peut sortir des grosses dingueries, des photos qu'on voulait pas du tout montrer ou quoi. Ou alors des photos improbables, par exemple, peut avoir des photos, on a l'impression que c'est une photo qui appartient totalement à Guizzy alors qu'en vrai, c'est à moi. Comme il y a eu au premier épisode, vous en souvenez, j'imagine. Notamment, moi, je m'en souviens très bien parce qu'il y a une photo qui a fini sur une tasse. Et ça, je m'en souviens très bien, je peux vous le dire. On peut les regarder, je m'installe juste ici. Et au passage, les amis, cette vidéo, en fait, elle est sponsorisée. Donc là, actuellement, on est en Grèce, on est à l'étranger. Et justement, le partenaire de cette vidéo, il est grave pratique quand on est dans un autre pays, puisqu'il s'agit de NordVPN. Donc justement, je vais vous en parler. En fait, je sais pas si vous savez, mais quand vous partez à l'étranger et que vous voulez regarder une émission française, et ben vous pouvez pas toujours le faire parce que des fois, il y a des barrières géographiques qui vous bloquent l'accès à certains contenus, à certains sites ou quoi. Et justement, grâce à NordVPN, et ben en fait, vous pouvez contourner ces restrictions et regarder absolument tout ce que vous voulez, et ça c'est beau. Par exemple, dans mon cas, vous savez, il y a une émission d'aventure que j'adore, j'en ai même fait une série de vidéos un peu parodiques sur ma chaîne. Et bah par exemple là en Grèce, j'aurais pas pu regarder le dernier épisode sans NordVPN, donc j'aurais été vraiment dévasté, on peut le dire. Estos devastikos, hein, comme on dit en Grèce, je crois, il me semble, à vérifier, hein. Et justement, ça marche aussi à l'inverse. Si vous êtes en France et que vous voulez voir du contenu étranger, en un petit clic comme ça là, pire imitation du clic, hein. Et bah justement, en un petit clic, vous pouvez vous connecter à n'importe quel pays, à celui que vous voulez, totalement en sécurité. Et en plus, c'est hyper rapide. Faut savoir que c'est dispo sur toutes les plateformes principales, Windows, Android, iOS, macOS, Linux et même Android TV. Vous pouvez être jusqu'à 6 et utiliser le même compte en même temps. Donc voilà, c'est hyper pratique, par exemple, quand vous êtes en coloc ou en famille, pour éviter tout simplement les guerres, hein, l'affrontement. Donc bref, voilà, je vous mets un lien en description, nordvpn.com/lucasstudio. Et justement, avec ce lien, en ce moment, il y a une offre qui est absolument une dinguerie mondiale. Il y a 73% de réduction sur un abonnement de 2 ans à avec en plus 4 mois gratuits, donc là vraiment c'est la régalade totale. Et en plus de ça, c'est pas fini, vous avez aussi un essai de 30 jours satisfait ou remboursé, avec en plus un service client qui est en français, dispo 24h/24, 7 jours sur 7 quand tu veux. Donc voilà, n'hésitez pas à checker les infos en description et un grand merci à NordVPN bien sûr. Bref, donc maintenant je vais appeler les 4 autres participants pour jouer à ce jeu. Et je pense, et j'ai même un peu peur pour moi, qu'on va tomber sur des très belles dingueries. Donc bref, on va voir ça maintenant, c'est parti. Comment ça va la team? On est là. Il y a aussi un gage à cette vidéo, mine de rien, pour le perdant, qui reprend un peu le gage du premier épisode, mais encore plus gros. Cette personne là, parmi toutes ces photos qui lui appartiennent, on va prendre vraiment la pire possible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à la place de l'imprimer et de juste la laisser comme pour moi à Maison Grise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'imprimer sur 10 tasses. Donc il y aura 10 tasses avec la photo vraiment honteuse et tout. Et on va l'envoyer à 10 youtubeurs, à 10 potes youtubeurs et tout, qui pourront la voir constamment chez eux, en faire les stories. Et ça va vraiment l'afficher le plus possible devant le plus de monde. Et déjà que pour moi, pour vous dire, à chaque fois, c'est dur quand je vois des gens à Maison Grise qui ont la tasse avec moi comme ça. Franchement, me dire que c'est partout chez plein de gens en France, c'est encore pire. J'ai super hâte. Oh là là. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Là, ça peut afficher n'importe quoi, on n'est pas prêts, ok? J'ai peur. Bah ça c'est sûr, c'est d'Occident. Bah oui. Ah putain. Attends, il expliquera après. On expliquera après certains trucs là. Mais qui est-ce? Quoi? Vas-y, Merad, elle est folle. Elle a de ses trucs. Mais quoi? Mais j'ai 0 points, je comprends rien, ça va si vite. Mais oui, t'as 0 points. Quoi? Wow. On reviendra sur plein de trucs, hein. Oh, celle-là. C'est pas normal, ça. Qu'est-ce que... Là, il y a des trucs vraiment, j'ai envie d'imprimer 8 mugs. C'est pas grave, j'ai gagné. Attends, est-ce qu'on peut revenir sur des photos quand même ou pas là? Mais sur beaucoup de trucs, c'est quoi ce bordel? Il y a eu Valentin avec son giga frigo là. C'est un canapé, il y a qu'une partie sur deux là. Mais quoi? Mais comment t'as fait pour rentrer ça? On est allé à Conforama, puis il y a un canapé qu'on voulait trop, il était en promo, on a voulu sauter sur l'occasion. Le mec nous dit, ouais, vous avez une voiture assez grande. Je fais, moi, une 206. Là, le mec il m'a regardé en mode, quoi, c'est une blague. Et je lui dis, non, mais mettez-le sur le parking, on verra plus tard. Depuis, il est toujours au Conforama. Hein. Attends, ouais, surtout il y a des trucs. Alors, mais ça vas-y, c'est un scandale, ça, cette photo.
C'est quoi ça, ce bail là? Je sais pas, il y a Raven, il y a Raven, il y a Gizzy, il y a moi. On parlait et on se tapait un délire, chacun rajoutait sa tête. Vous avez bien tapé un délire, c'est sûr que là, t'inquiète, c'est bien tapé le délire. Attends, alors ça, j'explique. C'est la fameuse vidéo avec toi où malencontreusement, je suis vraiment encore une fois désolé, je touche sans faire exprès, malencontreusement, sans faire exprès, les fesses de Jufit 4, tu vois. Et le problème, c'est que l'extrait, il y a des gens, ils ont pris l'extrait, ils l'ont mis sur TikTok et ça a fait franchement zéro ban. Il y en a, il a dû faire 2-3 millions de vues. Et le titre, c'est Lucas Studio touche les fesses de Jufit 4. Je me dis, mais ça, je passe pour qui, moi, tu sais quoi? Et franchement, tous mes potes me l'ont envoyé en mode, tu sais, en charlant, tu vois. Donc, je crois que j'ai dû l'avoir 15 fois sur mon téléphone, quoi. Et le temps qu'on relance une nouvelle manche, je vous avais pile le temps, mais alors vraiment, mais parfaitement à la microseconde près pour vous abonner, pour activer la cloche, vraiment. Donc, n'hésitez pas à le faire, évidemment, vous savez, ça fait toujours trop plaisir. Et voilà, merci à tous les abonnés, vous régalez autant que cette magnifique casquette radée. Comme elle est belle, là. Vous régalez autant. Hein. Allez, c'est parti. Oh, c'est qui? Non, c'est Noxy? Non, je refuse. C'est toi? Mais c'est affolant. Oh, le prédateur. Attends, faut que j'explique après ça. Non, mais c'est pas toi, ça. Je veux savoir à qui t'as envoyé ça. Hein. Oh, bah. Okay. Ça, y a un bon indice qui est local, globalement. Je pense qu'on est bon, là. Ah, on s'est tous fait piéger non, comme je des suis cons. Encore dernier. Mais non, mais je suis dernier, putain, je peux pas accepter ça. Quoi? Oh, merde, merde, je me suis trompé. Pourquoi ça garde l'identité? Non, je me suis trompé. Quoi? Tu caches mes infos par contre, hein? Oh, mais qui a cette... c'est quoi ce studio? C'est à qui ça? Il y a tes grosses chaussures là. C'est tellement à moi, faut que j'explique aussi ça. Non, mais t'es un bâtard, tu m'as eu. Oh, bah alors, ça, si c'est pas Camille qui a une photo d'elle petite, c'est quoi? Mais merde, mais je suis à chaque fois, je fais l'inverse. Je me tiens une balle. Mon cerveau est pas assez rapide pour comprendre à qui peut appartenir la photo. Je vois bien la photo de tout à l'heure quand t'étais jeune là, sur un mug à 10 youtubeurs. Ah non, putain. Ouais, ouais, ça va être... Moi, je vais boire un café aromatisé Noxy, quoi. Ah, attends, je peux expliquer ça juste. Cette photo, j'ai l'impression que je suis drogué sa mère. Attends, explique pourquoi. C'est que en gros, je suis en train de parler avec Quentin qui est monteur vidéo. Et en gros, il va m'envoyer l'export d'une vidéo. Je suis retombé sur la discussion en fait où je lui ai envoyé ça. Il était en train de m'envoyer l'export, il buguait, il a craché genre 4 fois d'affilée. Il m'a envoyé ça craché. Et du coup, moi, je lui envoyé plein de photos en mode vas-y, j'en peux plus, tu vois. Et à chaque fois, j'accentuais le truc. Et à la fin, c'était genre j'ai l'impression d'avoir sniffé direct de coq, quoi. Mais là, t'as super chaud, non? Bah, j'ai juste une question. Ouais. Camille, pourquoi t'as ma carte d'identité? Pour le vlog en Espagne, j'avais dû prendre les billets pour tout le monde et j'avais toutes vos cartes d'identité à tout le monde. J'avais que des photos de toutes vos cartes. Pourquoi la mienne, elle est ressortie là? Carte bleue qui est en photo là, au calme, y'a tout. Mais c'est fou ça. Et dernier truc aussi sur la photo, c'est le bordel. C'était mon premier appart à Paris qui était tout le temps comme ça en premier degré. Hein. Ah ouais? Oh, ça devait être génial de vivre là-dedans. Mec, c'est un scandale. Hein. Y'a tout par terre, vous radez, y'a toutes mes affaires, y'a tout. Ça me dégoûte de voir ça, tu vois. Allez, ça relance. Donc pour l'instant, Noxy, fais gaffe, t'es. Putain, mais non. J'adore ce jeu. Même en soirée avec des potes, en vrai, c'est trop stylé. Précise pour la vidéo finale, on laissera peut-être pas toutes les manches et tout, ou toutes les photos, etc. Enfin, ça risque d'être vraiment très long, sinon on gardera vraiment que les meilleurs. Mais niveau des points, etc., on comptabilise tout, bien sûr. Mais c'est à qui ça? T'as Gizzy, c'est sûr. Quoi? Oh, oh bah ça c'est... Attends, c'est un piège hein, je dirais Théa. Ah ça c'est mes cheveux gros, tu regardes. Ah mais c'est bon. Théa, t'avais de la barbe à l'époque? Ouais, j'ai rasé, c'était pas pratique à entretenir. Attends quoi? Je suis sûr c'est PA qui a envoyé ça à Camille. Ah non bah c'est Gizzy. Attends mais pourquoi? Il faut que tu floutes, c'est le daron de mon pote. Quoi? C'est un de vous deux ça? C'est qui ça? Putain mais je fais un sans faute depuis tout à l'heure. Oh. Bah ça c'est Noxy, pourquoi tu gueules? On sait que c'est toi. C'est moi, ok. Putain je suis dernier. Oh putain je me rappelle d'ouf de cette journée. J'avais fait une sieste. Let's go. La remontada Val. Putain t'as été chaud Noxy, qu'est-ce qui t'est... Mon cerveau s'est réveillé, il a eu le truc en mode quand tu vois une personne sur la photo, c'est-à-dire que c'est l'autre personne différente qui a brûlé. Oui sur la photo du gars à poil là, il se passe quoi là? C'est le père d'un pote à moi. Bah juste ça m'a fait rire quoi, il me semble que c'est assez drôle de voir ça. Oui, bien sûr tu vois le daron d'un de tes potes comme ça. Sur mon feed Facebook quoi. Et moi j'aimerais revenir sur PA vous demande 1 500 € pour ma prestation de la nuit sexe. Bah en gros c'est juste qu'on a découvert que vous pouvez demander de l'argent sur Lydia et du coup genre quasiment toutes les semaines on s'envoie des trucs à la con comme ça tu vois. Il est un peu compromettant tu vois. Alors qu'en vrai c'est un passé, je vous rassure, c'est une pizza hein. Et écoutez pas 1 500 € quoi. Vas-y on repart hein. Ça part. J'ai toujours peur de ce qui va sortir tu sais. C'est quoi? Ah mais c'est la maison grise. Putain c'est Lucas. Ah putain. Ça vient de la vanne, donne-moi de la quiche Théa. C'est à qui ça? Ah c'est fou, moi heureusement j'ai reconnu les potes direct. Qu'est-ce qu'il faisait? Wesh. Oh, voilà. Facile. Oh, qui ça peut être? Oh, ah wesh. Mais quoi? J'expliquerai, attendez. Ah, merde, j'espère que du coup. Go démonter les chiottes de la villa? Attends, j'expliquais. Ah, mais c'est toi? Non, j'explique. Non. Ah, j'ai vu toi? Moi, j'ai vu mon t-shirt review, j'ai jamais pris cette pause, moi. J'explique deux trucs. C'est qu'en gros, j'ai un pote, il avait fait une originale en mode. Il était chez quelqu'un, il dit go démonter les chiottes de. Et la personne. Il l'a envoyé à tout le monde sur une combo snap, tu vois. Il y en a plusieurs, on l'a refait. Et je me suis dit, vas-y, pour induire en erreur, je vais mettre le t-shirt reveal. Et je me suis dit, c'est tellement un truc de Gizzy. Et je me suis dit, vas-y. J'ai cru que c'était toi, du coup. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Ça a marché. C'était un petit piège hein. Bon attends la fin, j'ai capté, si je perds c'est horrible hein. Sur la tasse. Je veux jamais que ça finisse là-dessus hein. Ça partait d'une vanne à la base hein. Oh là
l'angoisse. Ah, je perds pas, je vous jure, je perds pas. Et à quel moment t'as fait une quiche à MG? Moi, je... t'étais là aussi. Mais attends, mais t'es sérieuse là? C'est un Photoshop de ouf. T'es sérieuse là? Ah! Oh la daronne! Oh, c'est fou, elle a eu même une réaction très daron, le ah! Mais on est où là? Let's go. Je reconnais que c'est maison grise, je reconnais le carrelage. Je vous explique après aussi. Il y a des gouttes de pisse sur la cuvette. C'est pas moi, c'est... Attends, j'explique. Oh, je sais ce que c'est. Attends, c'est toi ça? Non. C'est avec le... C'est avec un effet d'iPhone. Ouais, ouais, avec les grands angles. Oh! Wesh merde putain. Oh oui c'est bon, je l'ai. Attends, c'est toi? Mais c'est le corps de qui? Je suis avant-dernier, c'est pas possible. Troisième. Wouh. Ah non non, mais bon, si je suis dernier, je pleure. Hein. Attendez, moi je peux revenir juste sur la photo Ouais, mais le cul là. Vous aviez le daron, maintenant vous avez le fils. Attends quoi? Non. Ah c'est quoi? C'est mon pote. Mais là il était à poil de dos. Et avant c'était son daron. En fait dans leur famille tout le monde a poil quoi. Ouais. T'inquiète. Pour la photo il y a la pisse évidemment, donc ça vient de WhatsApp qui s'enregistre tout seul ou à un moment. À maison grise, quelqu'un avait envoyé la photo en mode mais qui a pissé à côté comme des gamins gros. Et du coup j'ai ça dans ma galerie parce que ça s'enregistre tout seul, faut que j'enlève ça. On a l'impression que mes photos c'est l'enfer après quoi. Vraie anecdote, j'ai laissé mon studio une semaine mais j'avais laissé la fenêtre de la toilette ouverte dans mon studio. Et ouais. Tu sais c'est un Velux, un Bicomos. Et juste tu sais il y a ma pièce où c'est juste les toilettes, où la porte elle est fermée, mais le Velux était ouvert. Et je reviens dans mon studio après une semaine et il y a de la merde à côté de ma toilette. Oh. Attends quoi? D'un humain? Du coup j'ai vu près du Velux, il y avait grave les traces de griffes, mais c'était un chat qui était venu dans mes toilettes yesh pour repartir genre. Il a tiré la chasse au moment ou Même pas. On passe en mode vidéo maintenant et c'est parti. Vidéo c'est incroyable, hein. C'est masterclass, hein, je vous le dis. Mais wesh! Attends, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? T'as un lapin? T'es mal à la tête du lapin, il est énorme. On dirait une chèvre. Mais oui, il a une tête d'âne. Je parlais pas mal de mon lapin. C'est quoi ça? Attends, c'est sûr, c'est Vizi ça. C'est pas une vraie vidéo. Quoi? Hein? Quoi? Mais c'est quoi cet enfer, Camille? Non, elle passe devant! Non, je suis dernier! Excusez-moi, je vous dérange pas. J'adore cette vidéo. Non, mais... bah, elle a des vidéos que des vidéos stylées, elle a réussi des trucs de ouf. Qu'est-ce que c'est? C'est Lucas, c'est sûr. Ouais, putain. Vous êtes des sauvageons, hein. Je suis dégoûté. Putain, c'est si rapide. Bon, mais je suis quand même un peu trop fort. Hein. Yes, Camille, dernière. Ah, ça sent bon, ça sent bon. Alors attends, on revient un peu sur les trucs. J'ai la vidéo. T'es mal à la tête du lapin. Mais gros, pourquoi t'as un poney, là, sur toi? Il est énorme. C'est un lapin poney. Mais n'importe quoi. Non, c'est juste que j'ai mis la caméra comme ça. Il était en premier plan. Hein. Guette la tête, il est plus grosse que toi. Mais non, il s'appelait Fripouille, il était trop chaud. Oh, mon chat, il s'appelle Fripouille. Ah, on est trop heureux. Mais t'es mal à Daron, mais c'est incroyable ça, que des réactions de Daron. Et ça, je tiens à dire que Lucas, il a dit oh, ça doit être Gizzy. Mes parents, ils m'avaient laissé pendant les vacances et j'avais une seule chose à faire, c'était sortir la poubelle parce que ce mois-ci, il passait qu'une fois dans ah, le mois. C'est une vraie vidéo? Oui, oui. Non, mais c'est la poubelle ça? Ah, c'est ma voiture. Donc j'étais obligée de sortir la poubelle. Bien sûr, j'ai oublié où je suis partie ou je sais pas ce que j'ai fait. Et du coup, pour pas dire à mes parents que j'avais pas sorti la poubelle, j'ai vidé toutes les poubelles dans ma voiture et je suis allée à la déchetterie. Tout vidé un par un comme ça. De la merde remplie dans la voiture là. J'ai vraiment tout mal géré en fait. Ah, et moi, le truc où ça brûle. Non, mais c'est quoi ça? C'est en gros, on revenait de boîte avec des potes, il était 7h du mat. Oh, c'est divin, on prend le petit-déj avant de dormir. Du coup, à 7h quand la boulangerie était ouverte, on prend le petit-déj. J'ai un pote, il avait un briquet, il commençait à allumer, on n'avait pas vu. Ça commence à prendre feu sur la table, on se dit bon, peut-être qu'on allait trop loin là, faut faire gaffe. On t'en prend en vidéo, quoi, on sait jamais. Ouais, c'est vraiment ça. Et bah, c'était une belle manche. Moi, je le dis, c'était une belle manche. Ah, tu me lances un réflexe. C'est mon téléphone, du coup. Hein. A noter, Valentin n'a pas de réflexe. Oh gars, il a même pas levé la tête. Imagine, c'est la même chose avec Camille. Non mais Camille, elle esquive hein. Mais moi j'ai aucun réflexe, je te l'ai dit mille fois. Non, je savais. Attends, mais c'est qui ça? Bah c'est Noxy, c'était sûr. Mais t'es ravagé en fait. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais quoi? Il a réussi. Mais quoi? C'est la meilleure vidéo. Attends, mais c'est qui ça? La masterclass. Lucas. J'expliquerai aussi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Qu'est-ce que... C'est quoi? Le running gag sur une autre POV. Ah oui, alors Kinvey, j'explique, il y avait une soirée TikTok et c'est PA qui m'a envoyé ça. Et en fait, quand il tourne la caméra, c'est PA qui était là à la soirée. Ok. Encore? Mais oh merde, je me suis trompé. On t'a vu beaucoup trop de fois sur les chiottes, c'est trop. Cette nuit, je vais fermer les yeux, je te verrai comme ça. Bah, excuse-moi, je te dérange, Lucas, en plein rêve. Non, mais comment t'as fait ça sans te blesser? Contre toi, celle-là, elle était incroyable. C'est la meilleure vidéo de toutes celles qu'on a vues. Non, vu que j'ai de la bidoche, je peux le coincer là et hop, ça part. Pour moi, c'est un X-Men, hein. Pour moi, c'est comme Wolverine. Hein. C'est vraiment, c'est un truc de malade. Hein. Attends, juste, c'est bon. J'arrive pas à enlever ma montre, tu peux l'enlever, s'il te plaît, vite fait là.
Vas-y, essaye. Il y avait toi dans une poubelle. Ah non, c'est pas moi, ça c'est la même soirée où on a brûlé un truc, on sortait de boîte et du coup. C'est complètement arraché. C'est l'enfer tes soirées. Il y avait une poubelle, il y a un pote qui s'est mis comme ça, il roulait avec, ça me fait beaucoup rire. On fait une dernière là. Oh putain. Mais mec, je l'adore. Mec, je savais pas qu'on l'avait en vidéo. Ah bah si. Attends, mais ça a l'air trop bien. Oh, j'ai adoré. C'est un truc de bougie, ça, non ? Camille ? Attends, quoi ? C'est quoi, ça ? Là, c'est vraiment mon ventre, hein. Et je sentais qu'il allait gargouiller, du coup. Attends, il y a double X-Men, là, hein. Faites gaffe. Hein. Là, leur ventre aux deux, c'est un truc de malade. Hein. Vous fusionnez les deux, c'est un titan. Les amis, après comptabilité des points, c'est très simple. Il y a une perdante. Alors déjà, c'est pas moi, du coup, je suis refait de ouf. Et c'est Camille élevé. Ah ! Let's go! Sur une tasse! Sur une tasse! Bon, attends, pour Camille, alors en vrai, je pense. Vous avez quoi pour sur Camille? Moi, j'ai celle-là en grand angle. Oh non, non, celle-là, elle est incroyable. En vrai, elle est masterclass. Ah ouais, mais ouais, putain, elle est ignoble. On dirait tellement une autre personne. Tous les potes youtubeurs à qui je l'envoie, faites un maximum de stories, n'hésitez pas à ça, vraiment. Buvez un maximum de café avec ce que vous voulez d'ailleurs. Même si vous voulez boire de la bière, Noxy vient vous la décapsuler d'ailleurs. Hein. C'est comme ça. Héro, bonjour à tous. Alors, on est quelques jours après tout ça. Là, on est rentré de Grèce. Je suis rentré à Paris, tout simplement. Je suis à Maison Grise, là. Et regardez-moi ça, j'ai reçu un colis, le fameux colis avec bien sur les tasses de Camille. J'ai hâte de voir ça, j'ai pas encore vu, hein. Je vais voir le résultat avec vous. Oh là là, il y a beaucoup de choses là. Le carton, et dedans peut-être il y a un iPhone 13, ou une tasse hein, plutôt. Vous êtes prêts? Oh, t'es mal à l'aideur de la tasse. Oh, c'est masterclass. Oh là là, il y a une qualité, les amis, qui est absolument folle. J'ai hâte d'envoyer ça à 10 youtubeurs. Faut savoir que déjà que moi, je vais en garder une pour chez moi, bien sûr, dans mon appart. Il y en a une qui va rester à Maison Grise, évidemment aussi. Les 8 autres, après, ça va partir chez plein de youtubeurs. Je suis pas encore sûr qu'ils vont les recevoir avant la sortie de la vidéo. Mais si jamais, vous allez voir, sûrement, ils vont les mettre sur Instagram, etc. Moi aussi, je vous partagerai tout, évidemment, sur mon Insta. N'hésitez pas à me rejoindre là-dessus, bien sûr. Et bah écoute, force à toi, Camille, quand les gens vont boire un café avec ça devant toi. Et maintenant, je me re-téléporte dans le passé pour l'outro de la vidéo en Grèce. C'est parti. Allez hop, check. Merci à tous, si ça vous a plu et que vous voulez un épisode 3, bah n'hésitez pas à le dire, moi j'adore faire ça, c'est trop bonne ambiance, c'est assez marrant. J'ai envie de rejouer à ça encore 5 heures d'affilée, mais vraiment avec toutes les photos possibles au monde. J'ai 16 000 photos sur mon téléphone qui me bat en commentaire, dites-le. Hein. Quoi? J'en ai 8500. Hop, allez, je retourne aussi dehors pour remercier à nouveau NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça fait plaisir. Petit rappel bien sûr, avec le code et le lien que ça fait juste ici, qui est aussi en description, vous avez 73% de réduction sur un abonnement 2 ans avec 4 mois gratuits. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça, c'est en description. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut!